Monkey et Kaki jouent avec Slim. Et le docteur Spooky les espionne. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Un bol, un pot de colle, un mortier, du détergent et un étrange ingrédient vert. Le docteur Spooky fabrique Slim. On dirait plutôt une crotte de nez. Oups, on dirait plutôt qu'il a oublié quelque chose. Qu'est-ce qui arrive aux mignons? Ils veulent ajouter du détergent à sa préparation. Le docteur Spooky a failli les avoir. Et c'est reparti. Non. Vite, c'est à vous. Allons embêter un peu le docteur Spooky. C'est ça. Il y a quelque chose qui cloche. Un bon bain de Slim. Il va devoir tout nettoyer de fond en comble. Bienvenue de nouveau au concours de talent du Dr Spooky. Avec votre très cher jury, les implacables mignons. À présent, le Dr Spooky se mettra derrière ce rideau et il se transformera en une personne complètement différente. C'est Spider-Man. Enfin, plutôt une caricature de Spider-Man. Regardez-moi ces poses. Quelle classe! Quel mal de dos! Mince, ça ne plaît pas beaucoup aux jurés. Je vous avais dit qu'ils étaient sévères. Quel sera le prochain tour? Le cow-boy le plus redouté de l'Ouest. Il a lancé son assaut sur un des membres du jury. Ça fera peut-être baisser sa note. Effectivement, on dirait que ça ne les a pas impressionnés. Retourne t'asseoir, cow-boy. Le docteur Spooky cherche un moyen d'impressionner le jury. Mais il n'a rien trouvé. Quoi? 3-10? Les mignons t'adorent tel que tu es. Eh oui, Dr Spooky, le passé nous semble toujours plus beau. Oh oh, on dirait bien qu'il a une idée. Quelle est mignonne cette vieille petite araignée. Nous non plus, on n'aime pas trop le Dr Spooky. Lâche-la. Voilà. Quoi? Mais ne la laisse pas dans cette capsule. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... l'araignée a rajeuni? D'accord, je crois que je vois où tu veux en venir, Dr Spooky. La jeunesse, c'est se rebeller. Voyons voir si l'invention du Dr Spooky fonctionne. Je crois que vous avez un peu trop tourné le bouton, les gars. Essayez encore. Ouah! Non, je ne crois pas que... Bon, eh bien, si ça fait plaisir au Dr Spooky, voyons le résultat. C'est une sacrée nuage de fumée, ça. Et, oh, il y a quelqu'un? J'arrive pas à le croire. Ah!
Il va falloir lui changer sa couche, le pauvre. C'est super ce qu'on va faire aujourd'hui. Waouh, Monkey, il est génial ce château. Quel stylé kangourou. Tu ne crois pas qu'il manque un détail à ton château, Cathy? Qu'est-ce qui se passe? Qui est au volant? Dites donc, nos châteaux! Quel désastre! Ça ne pouvait être que toi, Dr. Spooky. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, le pot d'échappement est bouché, tu l'as bien mérité. À ton tour, Monkey. Aussi vite que tu peux, Spooky. Attends une minute, Kangoo n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il est grand temps qu'on te donne une bonne leçon. Une véritable leçon d'art avec du sable en prime. Mais oui, il manquait la dernière touche. Maintenant, votre œuvre est terminée. Regarde, Cathy, une gelée rouge. Elle est délicieuse. Cathy, maintenant elle est rouge. Qu'elle est mignonne. Ça te va bien. Waouh, une autre gélatine jaune. Cathy, maintenant elle est jaune. Oh, encore des gélatines. Si on mélange la rouge et la jaune, ça fait du orange. Et ce délicieux fruit s'appelle une orange. Tu es toi à nouveau.